Bonjour à tous, bienvenue sur Mistral Télé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Papilles Curieuses. Alors ce mois-ci, je vous emmène sur le parcours du goût. Le parcours du goût, c'est une belle initiative qui est née il y a une quinzaine d'années d'un cuisinier et d'un éducateur qui se sont dit que la cuisine pouvait être un bon outil éducatif et un bon moyen de réinsertion pour des jeunes en difficulté. Alors, le parcours du goût, c'est aussi donc un événement qui est organisé par la protection judiciaire de la jeunesse et qui réunit chaque année des équipes de jeunes venus s'affronter dans un concours de cuisine. Cette année, c'est Valence qui est l'hôte de cet événement et donc les équipes s'affrontent depuis ce matin et pour tout le week-end. Ils ont reçu il y a quelques semaines la composition du panier de produits locaux qu'ils devaient utiliser pour créer une recette qu'ils réalisent donc là aujourd'hui et durant tout le week-end sous les yeux d'un jury présidé par le chef Michel Chabran et sous l'œil bienveillant de leur marraine Anne-Sophie Pic. Donc nous allons vous faire partager ce concours et aussi participer à la visite des différents stands de chaque équipe qui met en valeur la gastronomie et les produits de leur territoire. Voilà un beau programme qu'on vous propose de retrouver aujourd'hui sur Mistral Télé. Donc on est au stand du Nord, c'est ça, l'estaminet de Maubeuge avec Françoise. Avec une équipe de combien de quatre personnes? 4 jeunes et 2 éducateurs et moi la cuisinière. Donc c'est vous qui les avez encadrés pour voilà, je les ai encadrés, je leur ai appris la cuisine, donc forcément j'espère qu'ils vont réussir parce que c'est moi qui les ai encadrés. Donc, c'est quoi la recette que vous allez faire? C'est du pâte à dos surprise, c'est un pâte à dos farci, enfin des cuisses de pâte à dos farci au picodon et aux abricots. Avec une sauce à la lavande, de la purée de céleri rave et des carottes au beurre. Donc là, vous nous avez fait un vrai stand du Nord avec les frites fricadelles. Ah oui, frites fricadelles. On a eu l'occasion de goûter d'ailleurs. Les gaufrettes flamandes aussi qu'on a fait ce matin. Et la tarte aux maroilles avec de la bière de Jeanlin cet après-midi. Voilà. La déco là aussi, donc c'est les jeunes qui l'ont réalisé. Avec les éducateurs, après on a été chiner un peu chez les grands-parents pour avoir les vieux objets en fait, donc voilà. C'est très très chouette, ça fait très chaleureux en tout cas. Merci beaucoup. C'est comme les gens du Nord, on est tous chaleureux. C'est ce qu'on nous dit, je suis jamais venue mais... il faut venir, après vous allez pleurer pour repartir. On pleure quand on arrive parce qu'il fait froid, mais on pleure quand on repart parce qu'il y a la chaleur du Nord. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Bonne journée. Vous êtes au stand de l'Alsace, en fait, c'est Strasbourg. Donc, c'était un foyer de la PJJ. Oui. Donc là, tout ce qui est en dégustation, ça a été aussi réalisé par les jeunes. Et puis, on a aussi eu des fournisseurs qui nous ont fait des donations. Voilà. Donc là, l'équipe, en tout, vous êtes venus d'Alsace à combien? Strasbourg, on est 8 personnes, 3 éducateurs et 5 jeunes, 4 jeunes. Pardon. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous avez à proposer? On a des kouglof, ouais. On a des petites brioches au lait, on a du master, fromage vraiment alsacien, que vous avez goûté. On a de la charcuterie alsacienne. Et là, comme vous voyez, mon collègue, il est en train de préparer la choucroute. D'accord. Pour ce midi. Ok. Voilà. Eh bien écoutez, merci bien et puis on vous souhaite bonne chance pour demain. Merci. Anne-Sophie Pic, bonjour. Donc vous êtes la marraine de cette 16e édition des Parcours du Goût. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté et qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? Moi je trouve que l'idée de se servir entre guillemets de la cuisine comme quelque chose, un vecteur de réinsertion, un vecteur de bonheur qui amène finalement un équilibre, une passion qui véhicule des choses très positives en fait pour les jeunes. Je peux qu'adhérer à cette manifestation parce qu'elle est très proche de ce que moi je pense de ce métier en fait, et de ce que je peux, depuis maintenant plus de 20 ans que je travaille dans ce métier, j'ai pu voir ce que ça pouvait amener aux jeunes. J'ai des jeunes continuellement autour de moi à qui je transmets, que je forme à un métier, et je me rends compte de l'épanouissement et du côté bénéfique que ça peut amener à chacun d'entre eux. Donc, en dehors de ce projet-là, vous accueillez vous-même régulièrement des jeunes dans un contexte similaire ou en tout cas
pas, je peux pas dire particulièrement qu'il y a cette, il y a ce travail qu'on fait au quotidien, mais ça, ça peut se faire bien évidemment. Mais nous, en tout cas, on accueille des jeunes, donc on forme. Alors, ils sont pas forcément en difficulté, mais ou ils nous le disent pas forcément, mais il peut arriver aussi qu'on peut, ce métier peut sauver des jeunes d'un certain isolement, bien évidemment. On intervient au niveau de la Fondation Anne-Sophie Pic, plutôt au niveau des beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire des enfants. Donc on a, alors on touche des enfants qui sont souvent malades, hein. C'est un peu l'axe sur lequel on s'est concentré parce que à travers ce qu'on peut faire en atelier à l'école de cuisine ou moi mes interventions à l'hôpital où on aide aussi les parents et ça pour moi c'est très important d'aider les parents à amener les enfants vers une guérison ou à quelque chose qui va les épanouir, mais on le fait aussi avec des jeunes qui sont en difficulté scolaire, en échec scolaire ou en difficulté familiale, donc on fait avec des plus grands aussi, des adolescents, donc on, voilà, on travaille, moi, pour moi les enfants c'est le commencement de la vie, c'est là où il ne faut pas louper le coche, donc voilà, on intervient à ce niveau-là modestement avec le temps qu'on peut donner compte tenu de nos activités, de mes activités, mais je trouve que c'est un engagement très fort de l'entreprise et je suis très fière de ça. Et la cuisine est vraiment un vecteur qui facilite ces échanges, qui est vraiment un vecteur particulier. Oui, parce que c'est un métier qui ne met pas en valeur l'individualité, en fait, qui met en valeur le travail d'équipe. C'est-à-dire que tout seul, dans un service, dans une équipe, si quelqu'un s'isole, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment que les gens soient solidaires entre eux, soient complémentaires. Et c'est un travail comme une équipe de foot, hein, c'est un travail d'équipe. Donc moi, je suis contre l'individualité aujourd'hui dans la cuisine, où chacun prend ses casseroles, les met de côté. Enfin, en tant que femme, en tout cas, je suis tout le temps en train de motiver mes équipes à être solidaires entre elles, parce que c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on est bien. Laurent, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le responsable là, de l'équipe de Malakoff. C'est ça. Ouais. Qui est donc en train de passer. Exactement, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la recette que vous avez réalisée? Alors, la recette, alors déjà son nom, c'est Bog Pêcheigne. Ce sont les jeunes, après beaucoup de discussions, qui ont trouvé le nom Bog Pêcheigne, parce que Bog de châtaigne et Pêcheigne, ça mélange de pêche et de châtaigne. Donc voilà. Donc en sachant que vous avez un panier imposé. Il y a un panier imposé, en fait, pour composer une recette. Il faut 3 ingrédients de ce panier. Et à partir de là, les jeunes inventent et créent une recette qu'ils vont pouvoir proposer au jury. D'accord. C'est ça le principe. Donc là, les 3 ingrédients que nous, on a choisi, c'est la fleur d'oranger, la châtaigne. Et le 3e ingrédient, c'est la pêche. D'accord. De la Drôme. Donc à partir de là, on a choisi de faire une recette qui est là, en l'occurrence, ça va être un dessert. Et donc le dessert, ça va être une tartelette avec une marmelade de châtaigne. Au-dessus, on va mettre un dôme de mousse au marron, donc à la châtaigne, et avec à l'intérieur donc un cœur fondant, et avec un coulis de pêche, en fait, bien citronné pour l'acidité. Donc il y a un mélange de saveurs, un mélange de textures et un mélange de professionnalisme, on va dire. Hein, bon, c'est en train de se préparer, du coup on va voir ça tout à l'heure. Pendant combien de temps vous avez passé sur l'élaboration de cette recette? Bon, malheureusement on n'a pas eu beaucoup de temps, parce que moi je suis arrivé très peu là, il y a peu de temps sur la structure, et il fallait préparer les jeunes très rapidement. Et donc en un mois, de manière très concentrée, toute l'équipe de l'UAJ s'y est mise et on a fait la décoration du stand, on a travaillé la recette, on a invité des jurys de la PJJ pour déguster, pour évaluer en fait les jeunes. Il y a eu des tests, il y a eu 2-3 tests avec des clients et il y a eu énormément en fait de travail d'élaboration, c'est-à-dire qu'on a changé en fait on a envoyé notre recette une semaine avant parce qu'on n'avait pas le choix. En un mois, tout a été bouclé, quoi. Un mois et demi, grand maximum, tout a été bouclé. Donc concentré, toute une équipe et les jeunes. D'accord. Et bien donc on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Bonne chance en tout cas. Merci. Qu'on est maintenant avec Onta, donc qui s'occupe de l'équipe de Saint-Martin-les-Boulognes dans le Pas-de-Calais. Oui, c'est ça. Vous avez fait un long chemin pour venir participer. Qu'est-ce que vous avez choisi d'utiliser parmi ce panier? Donc c'est les châtaignes. Oui. Après, il y a le nougat de Montélimar. D'accord. Il y a les abricots, parce qu'on sait que Valence, c'est aussi le producteur d'abricots. Oui.
Et puis nougat, donc, abricot, ça fonctionne voilà. Plutôt pas mal. J'espère. Et puis il y a le chocolat. Voilà, la recette, du coup, c'est quoi cette recette? Feuilleté d'abricot au nougat, au coulis d'abricot et mousse de châtaigne. D'accord. Donc là, c'est en cours de préparation. Vous êtes, il y a combien de participants à l'équipe là? Il y a 4 jeunes. Vous avez travaillé de manière régulière sur la préparation de ce projet. Ça a été, là vous me disiez que vous aviez commencé en octobre, mais après c'était tous les jours, toutes les semaines. Oui, il y a déjà l'atelier cuisine tous les 15 jours. D'accord. Qui est sur place. Et donc on a essayé toutes sortes de plats, même salés. Mais à la fin, on a dit, c'est les jeunes qui ont choisi plutôt, ouais. Avec les dégustations des agents de l'UHC de Boulogne, que c'est le feuilleté d'abricot qu'on va faire. D'accord. Donc, il y a quand même un cheminement petit à petit à traverser avant de décider. C'est ce qu'on a fait, quoi. Bonjour, nous sommes avec donc Gérard Cagna, qui est donc invité sur ce parcours du goût. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle là aujourd'hui au sein de ce concours et avec ces équipes. Bah, d'emblée déjà, je veux dire, le plaisir que j'ai à être là et de voir tous ces jeunes qui s'activent. On sait que ce sont souvent les jeunes en difficulté, qui ont besoin de reprendre confiance. Et l'idéal, en général, c'est de reprendre confiance par un métier. Et le métier de cuisinier est un métier de geste qui permet de pouvoir se repositionner et donner envie d'avancer. Alors, ceci étant posé, c'est vrai que c'est une belle manifestation. Et j'ai vu depuis ce matin qu'on a démarré depuis 9h. Et la journée va être longue, on commencera demain. Parce que je crois qu'il y a 40 équipes qui vont passer. 38 ou 40 équipes sur les 2 jours. Donc c'est une très belle manifestation, c'est passionnant et ça permet aussi de s'épanouir par, encore une fois, par le geste, par l'effort, par le travail et par ensuite le rendu du travail, parce que l'avantage de nos métiers, c'est qu'on voit très vite ce qui sort de nos mains. On va faire une démonstration avec mon assistante Sandrine, oui. Et on va montrer 2-3 petits trucs. Sur la base du même panier. On va partir là-dessus pour essayer de faire quelque chose de correct. Et bien on va voir ce que vous allez. Vous nous jugerez. Vous allez nous faire. Un petit peu indulgent avec un petit jeune qui l'est. Voilà. Hein. On y songera. Merci. Merci beaucoup en tout Merci cas. Bien. Bonne Merci. Journée. Merci.
Bonjour Michel Chabran. On vous retrouve aujourd'hui donc sur le parcours du goût à Valence où vous êtes membre du jury, président même du jury. Oui, attention. On met bien à chacun son titre. Chacun a son titre en fonction de l'âge, en fonction des années de présence, des années de reconnaissance. Non, je plaisante. Donc je suis là en simple cuisinier, passionné de cette jeunesse, quoi, et qui essaie de faire, passionné de cette jeunesse en général, et là particulièrement des jeunes qui sont un petit peu en difficulté, qu'il faut épauler, qu'il faut encadrer. Et ce que je vois là, c'est que c'est merveilleusement bien encadré. Mm-hmm. Et je vois des jeunes qui ont envie. Il y a une grosse majorité. Vous les voyez travailler, c'est formidable, ils ont les yeux qui pétillent, ils ont envie, ils sont toniques, ils sont heureux de faire, voilà. C'est un beau projet du coup qui a été, mis en place. Je trouve ce projet magnifique, et lorsqu'on me l'a proposé, j'ai dit bien sûr oui tout de suite sans savoir où je mettais les pieds, mais quand on découvre, ça fait 16e édition. Donc je trouve que c'est bien rodé, bien huilé, et les gens qui encadrent, je vois toute la responsabilité des organismes sur le plan départemental, tout l'encadrement, tous ces gens qui sont autour de cette jeunesse, chapeau, parce que ça correspond tout à fait à ce qu'il faut faire dans les moments difficiles. Et notre métier, c'est ça, c'est les fondamentaux de notre métier, c'est-à-dire qu'il y a de la rigueur à avoir, de la passion, il y a du cœur, il y a l'envie de fabriquer, l'envie de partager, l'envie de communiquer. Et je trouve que ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir autour d'eux probablement cet encadrement, avec cette rigueur, avec cet esprit d'un peu hiérarchique, un petit peu du respect, d'autorité, la mise à disposition pour les autres, je trouve que la cuisine, c'est vraiment un vecteur formidable. Et en plus, en ce moment, la cuisine, c'est vraiment d'actualité. On nous voit de partout, les cuisiniers. On a toujours fait la une un petit peu des médias, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là, un vrai engouement de la jeunesse, et ça, c'est formidable. Donc, je crois qu'il faut... L'anticipation était bonne, c'est la 16e année, c'est bien, et ça arrive bien en bonne position pour que vraiment, ces jeunes, on puisse avoir... leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer et de rentrer dans la vie active et dans quelque chose qui leur fasse plaisir et où ils seront vraiment ils seront heureux de se lever le matin pour aller au boulot. Mais bon, vraiment, je me réjouis, je ne m'attendais pas à une telle qualité de résultat dans la préparation, dans l'organisation. Donc ça, formidable. Vraiment, je suis vraiment hyper bluffé de la qualité et du niveau technique d'une grosse majorité de ces jeunes. Et la PJJ fait des belles actions, et en ce qui concerne notre métier, j'ai pu voir et j'ai constaté que c'était vraiment une réussite. J'ai été plusieurs fois président de jury pour le meilleur ouvrier de France, et je connais un petit peu l'histoire des concours. En tous les cas, c'est beaucoup de stress, et là il y en a. Et vraiment, il faut continuer dans ce sens, parce qu'on crée, on crée de l'envie, et quand on crée de l'envie... C'est pas mal, parce qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie de se dépasser, je généralise, hein. On a envie de vraiment d'être bon et de gagner, une simulation, voilà, ça c'est bien. La pintade qui était farcie là tout au début, qu'on a goûtée, techniquement c'était irréprochable, c'était digne d'un concours de meilleur apprenti de France, hein. C'était un concours de l'apprenti de France. Vraiment, avec des gens organisés, tout. Encore un mot, puisque vous êtes un grand média, il faut, comme Galilée l'a dit, il faut avoir le doute actif. Et puis, s'émerveiller tous les jours au moins une fois. Savoir s'émerveiller.